Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour le 12e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai commencé un tout nouveau let's play. Un let's play sur Pokémon Moon Black 2. Moon Black 2, donc, c'est une remake d'un jeu que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié à l'époque, enfin, il y a quelques années. Et bah, c'était Pokémon Noir 2. Pokémon Noir 2, bah, c'est un des jeux les plus difficiles qu'ils ont jamais fait enfin, chez Game Freak. Donc, alors, Pokémon Moon Black 2, en fait, c'est Pokémon Ultra Lune. Ouais, bizarrement, c'est Ultra Lune dans Pokémon Noir 2. Alors, c'est un délire absolu. En fait, c'est une communauté de joueurs. C'est des mecs qui sont décidés à faire, bah, une remake comme ça. En gros, c'est Pokémon Noir 2 avec 350 Pokémon en plus, en fait. Hein. T'as les Pokémon jusqu'... Enfin, t'as tous les Pokémon de là. De 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 7G et demi, parce que t'as aussi t'as aussi Melmetal, Zerora, les trucs fabuleux qui ont pas été révélés après, enfin qui ont été révélés juste après, et t'as aussi les trucs d'Ultra Soleil et Ultra Lune, donc c'est complètement pété. On a les starters de Pokémon, enfin de la 8G aussi, donc c'est. Voilà. Ils ont aussi fait des formes, enfin il y a aussi les formes de Galar, non pas de Galar, je veux dire d'Alola. Mais ça reste fort quand même. T'as les formes d'Alola. Et t'as le type fée aussi. Et toute la balance de type qui était refaite. Enfin, refaite. Par exemple, le nerf du type acier est là. Alors qu'en 5G, il n'était pas encore là. Ça paraît à partir de la 6G. Bah là, ça y est. Ils ont changé les champions. L'élite 4. Enfin, l'élite des 4. Donc c'est plutôt fort. Bah, t'as la ligue et tout. Voilà. Extrêmement intéressant, ils ont tout changé. Donc apparemment le jeu est ultra bien fait. Je l'ai testé, il est vraiment pas mal. Bah on va commencer, j'ai juste fait quelques tests là. Là j'ai reset le jeu pour pouvoir bah, commencer la partie. Là j'ai le forum où j'ai un peu tout ce qu'il y a. Ça fait 3 minutes de record mais bon. La vidéo fera dans les 15 minutes. C'est un début de let's play, hein. C'est toujours plus long que le reste. Enfin que le reste mais voilà. C'est vrai que le jeu a l'air extrêmement bien. Il y a aussi les méga évolutions, il n'y a pas les attaques Z mais les méga évolutions sont là. Donc ça m'a l'air extrêmement intéressant. Bah on va lancer le jeu. Hop. Voilà. Oh. Donc le jeu est en anglais, donc c'est plutôt sympa. J'ai mis moins 30 décibels comme ça, ce sera bien. Ouf. C'est vrai que le jeu est plutôt fort. J'ai baissé un peu le son pour moi. Et vous entendrez beaucoup moins fort le jeu. Donc voilà, attendez, attendez. Hop. Je suis toujours un peu malade, mais ça va. Oh, ça sort pas trop trop de ce que j'ai entendu. Regardez, donc c'est l'intro de base, hein. Ultra stylé. On va passer un peu ça parce que c'est un Pokémon noir. Voilà, hop. Par contre, le truc bug un peu. Voilà. Voilà, ça commence. Donc vous voyez que j'ai fait un petit layout avec plein de trucs, c'est ultra stylé, enfin je trouve que c'est stylé ce que j'ai fait. Là vous avez l'écran du haut, en haut, et l'écran du bas en bas. Enfin en bas à droite l'écran du bas, et en haut à gauche l'écran du haut. Donc voilà, new game, voilà. Donc j'ai mes trucs, donc c'est en anglais, c'est pas très grave. Ah ouais donc là, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Ils ont fait un mix entre le professeur Euphorb et comment elle s'appelle elle? Je sais pas, je connais pas le nom des professeurs en français. Ils ont fait des noms de gros bâtards. On peut pas les retenir ces noms, c'est absolument impossible. Attendez, est-ce qu'ils l'ont mis sur le forum? Je veux bien voir ça. Est-ce qu'ils l'ont mis? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très drôle. Professeur Cucuit, d'ailleurs, c'est ce que j'ai entendu. Enfin, en tout cas, il s'appelle comme ça lui de ce que je viens de ce que c'est marqué sur le truc. Ou c'est préfère QQ apparemment. Howdy! Bienvenue dans le monde de Pokémon Moon Black 2. Bon, ça c'est classique. Et tu es un garçon ou une fille? Donc on va prendre le garçon comme d'hab. Hein. D'accord, tu es un garçon. Oui, évidemment. Donc quand même le jeu est quand même stylé. Il est quand même déjà drôle dès le début. Il m'a appelé Ikuyo. Putain, je connais mieux le clavier AZERTY que le clavier ABC. C'est un peu compliqué. D'accord. Your name is Ikuyo. Ok, ouais. D'accord, donc c'est bon à savoir ça. D'accord. Donc est-ce que tu connais un peu de ton rival? Enfin est-ce que tu connais ton rival et voilà en gros. Peux-tu me dire le nom de ton rival? Ok donc c'est Gladio évidemment. En Gladio. Gladio en anglais donc on va regarder ça. Donc ouais. Oh. Notre mère comme d'habitude. J'augmente le son. Voilà. Ah, un appel. Le son est ultra bien reproduit quand même. Mais en gros, ce qu'elle vient de dire c'est que t'as une meuf. Donc en gros la prof du truc qui nous dit. Enfin, qui veut nous offrir un Pokédex. Et couillou, je suis rentré! Tu vas voir un Pokémon? Bah, évidemment, évidemment. Tu sais ce qu'est un Pokédex? Évidemment. Une autre question. Tu as un Pokédex? Évidemment, évidemment. Bon. Oui! Ouais. Non, par contre, Alors, Brindibou, Flamèou et Hautaquin. Alors, je sais pas lequel choisir parce que c'est vrai que Hautaquin, c'est le meilleur dans l'aventure. Flamèou, c'est le Pokémon bah, classique, hein. Et Brindibou, c'est un peu le Pokémon stylé de base. Brindibou. J'aurais dit Brindibou. Parce que c'est vrai qu'il est plutôt sympa, Brindibou.
Il a de quoi bah, être là en fait. Brindibou, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que je vais prendre Brindibou. Parce qu'il est pas mal de l'aventure, lui. Il est plutôt stylé. Et les types plantes, c'est pas mal. En plus, il y a pas mal de types feu et trucs comme ça. Donc, ça peut être sympa. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de types eau dans l'aventure. Donc, voilà. Donc, c'est pas un Nuzlocke, hein, je le rappelle. Ce n'est pas un Nuzlocke. Bon, boy. Seuls les vrais comprendront le même. Bon, c'est classique ça. Le monster Pokédex. Je veux devenir plus fort. Si j'ai un Pokédex, je pourrais en apprendre plus sur les Pokémon, plutôt sympa. Et ça me rendra plus dur, n'est-ce pas? 12h29, c'est vraiment la vraie heure qu'il y a. Voilà. Litten, ok. Et parce que je tourne le midi, parce que je viens de me réveiller, je suis très malade. Voilà, c'est pour ça que je vais pas en cours, mais bon. Sinon, moi, je suis externe, donc tout va bien. Et la intimidation, le talent caché? Oh, c'est-à-dire que moi, j'ai longue griche. Oh, attends, attendez, quoi? C'est trop bien, attendez, absorbe. Attaque queue, donc lui il a pas voir son attaque feu. Allez, alors là faut tuer Knife Ember. Ok, donc j'ai perdu, mais c'est pas très grave parce que, ouais, c'est pas un Nuzlocke, hein, donc voilà, ça c'est chill. Voilà. Après, c'est vrai que le mec était un peu con, il faisait pas. Enfin, il a fait Umber après Growl, enfin, faudrait qu'on m'explique. Ok, donc j'ai les Pokéballs, c'est plutôt sympa. Donc comme c'est pas un Nuzlocke, je peux capturer tous les Pokémon que je veux. Attendez, j'ai envie de voir un peu. Je voulais voir un peu s'il y avait un document pour savoir où se trouve chaque Pokémon, mais ça aurait pu être intéressant, mais bon. Par contre, j'ai envie de voir un peu les stats de mon Bamboy. Timide. Oh, c'est pas mal, attendez. Early Bird, il a. Ah, il s'élève plutôt quand il a le sommeil. Attendez, c'est pas mal ça en Black and White, parce que le sommeil est abusé dans cette version. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de Pokémon, bah il y aura forcément plus de sommeil. Donc ça peut être très très sympa. Donc, surtout qu'on tape généralement avec Giga Sensu et trucs comme ça. Donc timide, c'est pas mal. Après, on a Early Bird en talent. Je sais pas trop un peu le reste, mais bon. On a un bon Pokémon. Il m'a l'air plutôt sympa. Après, je sais pas ses IV, mais voilà, faudrait que je fasse un calculateur d'IV. Attendez, quoi? On a la bicyclette. Attendez, c'est trop bien. Attendez, le jeu va être ultra sympa. Attendez, je sens que le jeu va être vachement ouf. Est-ce qu'il y a un Pokémon sympa là? J'aimerais bien savoir. Il y a un. Comment il s'appelle lui? Sandtrot. Donc c'est Ferrette. Non, c'est la pré-évolution de Ferrette. On a notre Rowlet. Enfin, notre Brain Boy. Donc je vais entraîner mon Pokémon à mon avis. Donc comme c'est pas un Nuzlocke, bah j'ai le droit de capturer le Pokémon d'après. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah c'est bon. On a eu la pré-évolution de Ferrette. Donc Sandtrot. 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 Je sais pas comment prononcer, mais c'est plutôt sympa. Ouais, le jeu a un peu bugué là, mais bon, c'est pas très grave. Un petit lag de chargement. Donc, est-ce qu'on lui donne un surnom? Ouais, vas-y, vas-y. Nul Germain, parce que, ouais, qu'une faute d'orthographe, parce que je m'en bats les couilles de ce truc. Il est nul ce Pokémon. Regarde ce que t'as fait, Germain. Regarde ce que t'as fait une fois de plus. Espèce de miel pops, va. Par contre, on va rentrer, je vais rentrer soigner mes Pokémon parce que c'est un peu embêtant. Sinon, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Hein. On va juste soigner nos Pokémon et après on va avancer. Et après, on va se quitter parce que c'est vrai que ça fait déjà un petit épisode. Et donc, l'épisode de demain, ce sera. Enfin, ce sera cette suite. Ou alors, je ferai un épisode spécial vendredi 13. On verra ça. Voilà. Dans tous les cas, voilà. Ça peut être plutôt intéressant. Un passe rouge! Un passe rouge! Je le prends, je le prends. Niveau 2, je le prends. Je prends un passe rouge. C'est trop fort dans l'aventure ce truc. Attendez, c'est trop fort. Tackle, est-ce que ça le tue? Même pas. Là, faut pas crit. Mais ça peut être sympa quand même. Un passe rouge dans l'aventure. Vous savez ce qu'on a dans la première route? On a des bons trucs hein, quand même. On a un passe rouge qui peut évoluer à un truc super sympa. Et on a un centre trade, donc c'est plutôt intéressant. C'est mieux qu'un Rattata. Hein. Moi, je le dis ça comme ça parce que Ferret, c'est plus rapide, c'est peut-être un peu plus fort. Ouais. Je crois, hein. Ouais, enfin, en tout cas, c'est un meilleur move pool, c'est des meilleurs trucs. Donc, c'est plutôt intéressant. Et voilà, on a capturé un passe rouge. C'est super, quand même. Comment on va l'appeler, attendez. C'est pas comment l'appeler, par contre, lui. Hein. Comment je pourrais l'appeler? Et en vrai, je sais pas comment l'appeler. Oh, je sais, Boomburst. Comme le nom du mec, enfin, du. Il est d'elle dans le. Non, d'une hirondelle dans Bloody Platinum, c'était plutôt sympa. Il était plutôt fort, donc voilà, Boomburst, vas-y, comme ça, il sera aussi fort. Rip Boomburst, d'ailleurs. Qui n'a pas eu la vie facile, hein, parce que, bah, j'ai fait un let's play que j'ai même pas fini, hein. J'ai même plus la sauvegarde, je crois, hein, donc c'est vraiment chiant. Peut-être que j'y rejouerai un jour pour mes 500 abonnés.
que je n'aurai jamais évidemment. Mais bon, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, ça serait vraiment très très sympa. On va regarder les stats de nos Pokémon. Alors, nous légèrement, il a quoi? J'aimerais bien savoir. Nature Prudent, plutôt sympa. La Scratch, Foresight, Defense Curl. Bon, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça. La Run, ouais, par contre, ça peut être sympa contre certains trucs. Ouais. Et on a un Bomber sous Quirky. Bon, ça va. Parce que. Hey, donc, c'est tanker les coups, donc c'est plutôt sympa. Big Pex, ça peut être sympa. Ça empêche de baisser notre défense, donc ça peut être sympa. On a des Pokémon qui ont notamment Street, je sais pas le nom en français. Mais c'est. On s'appelle Grincement. Comme ça, donc ça peut être extrêmement intéressant. Donc, si la charge est Growl, donc c'est plutôt sympa. Charge qui est instable, c'est toujours sympa. J'entraînerai mes Pokémon hors. En off. J'y entraînerai. Qu'est-ce qu'on va trouver là? J'aimerais bien savoir. Un Noctowl, enfin, ou tout de suite, sa pré-évolution. Je sais pas comment il s'appelle en français lui. Enfin, ou tout, non, c'est le même truc. Par contre, la pré-évolution, enfin, l'évolution, je sais pas. Salut, dresseur, mon nom est Goya, je sais pas le nom. Un de mes buts est de dire au monde, enfin, dire aux gens comment notre monde est beau et comment aller de l'avant avec nos Pokémon. C'est beau ce que je dis, hein. Je pense que j'ai fait une bonne traduction. Et tu es? Tu es Ikuyo de Aspersat, donc la ville de départ, le pas le Bourg-Palette, mais la ville de départ de Unis, en Black and White 2. Ah, comment il s'appelle? Ton Brindibou est plutôt pas mal. Ouais. D'accord, suis-moi. Donc on fera ça dans l'épisode d'après. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais soigner mes Pokémon. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. La suite demain si j'y arrive. Ou alors après-demain. Dans tous les cas, vous aurez une vidéo bientôt sur la suite de ce let's play. Bon allez, à plus!